Salut tout le monde. Donc, mon affaire de retour sur la Laguna. Hop. Donc j'ai checké les fusibles, les moteurs, les petits côtés habitacle. J'ai récupéré, alors je sais plus trop ce que j'avais dit sur la dernière vidéo. Donc j'ai checké la RTA là, qu'on m'a envoyé, donc tout conduit à bon, je vous dirai après, au verrou de colonne de direction qui est maintenu avec ça. En fait, il est dans la colonne. Alors j'avais filmé, mais je me suis tellement enfin, il n'y a rien de compliqué, mais je me suis bataillé parce que, tu vois, là c'est bloqué. D'une, déjà, ceux qui veulent le faire, c'est un pas inversé. Donc, n'allez pas forcer. Donc, pas inversé, mais c'est de l'alu et étonnamment, ça a été compliqué à enlever. Et comme tu vois, vu que c'est bloqué, verrouillé, il faut mettre ta voiture en mode service pour pouvoir le retirer. Sauf que, je sais pas, ça merdouillait à moitié tout ça, mais bon, j'ai réussi à le retirer quand même. Donc du coup, j'ai pas filmé parce que ça m'a pris la tête. Enfin, j'ai filmé, mais il y a tellement de gros mots qu'on entend que ça. Donc voilà, donc tout, j'espère, on va le savoir tout à l'heure, que c'est bien ça. Enfin, j'espère, ouais. Tout amène au verrou de colonne de direction Neyman ou interrupteur démarreur qu'ils appellent ça. En gros, c'est tout ce qui est Laguna 3, Scénic 2, que je regarde mes petites notes. Ouit. Scénic 2, Mégane 2 et 3, Clio 3 et 4, Fluence 2 et 3, Scénic 2 et 3, Latitude, Capture et Coléos. Tout ce système, tous, j'imagine, ou presque, tombent en panne à un moment donné. Donc voilà. Donc ça, je l'ai retiré. Sauf que, alors là où moi pas tout comprendre, mais t'en trouves d'occasion à vendre. Sauf que il n'y a pas de codage. C'est un codage à vie sur le véhicule. Donc ça veut dire que si t'en prends un autre sur une autre voiture et que tu le branches, ça marche pas. Alors pourquoi t'en trouves d'occasion, je sais pas. Ou est-ce qu'il y a un codage? Mais a priori, il n'y a pas de codage. C'est un codage à vie. Deuxième première, ça c'était la première problématique. La deuxième, bah c'est que tu le trouves plus en neuf. Terminé. Déjà. C'est pourtant pas des voitures qu'on 20 ans. Alors, on parle de faire du durable et de l'écologie. Ah, bref. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques recherches. J'en ai parlé à des amis. Et j'ai trouvé. Il existe une solution. C'est un leurre. Voilà, on met un leurre à la place. Du coup, il n'y a plus de verrou, mais au moins tu peux démarrer ta voiture et l'utiliser. Donc, on va essayer ça ensemble. Hop. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, ensuite, il a fallu que je déplace un peu la voiture. Donc, pour ça, tac. Donc, tu vois, là, elle est verrouillée. T'appuies sur le frein et t'insères un petit je sais pas si on voit bien là avec le soleil. Toutes les boîtes auto, on s'est équipé chez Renault, t'as un petit trou là, c'est marqué shift lock en anglais, désolé pour mon anglais. T'insères une tige, ouais, presque 10 cm quand même, hein. Et t'as le tu sens un bouton. Donc tu appuies en même temps, tu appuies sur le déverrouillage, le OK, et tu peux la mettre en neutre. Voilà. Et pour la mettre en mode service, comme je vous disais, tu insères ta clé et tu la retires au premier cran. On le sent là quand on met la carte plutôt. On sent une résistance. Là, voilà. Tu es au premier cran et ça la met en mode service. Et normalement, ça déverrouille ton verrou de colonne. Donc voilà, et le verrou de colonne, il se trouve,
il se trouve. Je vais te montrer ça tout de suite. Le verrou de colonne. Ah, c'est la merde. Il se trouve là. Il est mis dedans avec, pardon, avec la vis là. Donc je vais mettre le leurre. Et j'ai rebranché la batterie. Et on va regarder ensemble si ça marche. Alors, on va mettre le leurre. Alors, chose que j'ai pas dit, que j'ai pas réussi à faire parce que j'ai toujours pas réussi à connecter mon petit logiciel OBD là. D'habitude ça marche très bien, je vous montrerai avec mon autre véhicule à l'occasion. Normalement il conseille, de toute façon c'est avec l'outil spécifique Renault, de désactiver l'airbag. Ne me demande pas pourquoi, c'est tout simplement par sécurité j'imagine, pas que ça pète. L'airbag est toujours là. Allez, on va brancher cette chose. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Alors, on va. Ah, il faut. Par commodité, hein, ça change rien. Moi, j'avance le volant. C'est juste pour me glisser dessous et faire de la lumière. On va le brancher en lieu et place. Alors tu peux pas te tromper, hein, y a un détrompeur. Il y a le petit clic. Moi, bon, je le mets comme ça pour l'instant à l'arrache pour essayer. Je le fixerai définitivement quand je serai sûr que ça marche. Je remets mon capteur de frein parce que je l'avais enlevé parce qu'il me gênait. Et puis. Tu sors de la soupe comme tu peux. Et je vais brancher la batterie. Tac. Voilà, la batterie est branchée. On va avancer le siège. On va mettre la carte. Oh, elle prend vie. Elle prend vie et on démarre, on verra bien. Préchauffe. Nickel. Je re-aime Renault. Je check et je reviens à vous expliquer un peu. C'est bon, ça marche, je valide. J'ai remonté tous les caches. Hop. Tac. Tous les petits caches là. Tac, 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 boum, boum, hop. Et puis voilà. Et puis, on va l'ouvrir. Pour ceux que ça intéresse, regardez la fin de la vidéo. On va l'ouvrir. Voir comment c'est fait dedans. Si tu regardes pas la fin de la vidéo, bah, je te dis à lundi pour la vidéo du dimanche. Et puis, voilà. Alors, on va voir comment c'est fait dedans. Ouais, c'est bien le collecteur de la ZR que tu aperçois. Et j'ai pas fini de m'en occuper. J'ai rien filmé. Mais c'est pas grave, on y reviendra. On va faire sauter l'éclipse là, j'imagine. Bon, de toute façon, voilà, de toute façon, c'est mort. Fumier, il faut me niquer le doigt là. Jusqu'au bout, hein. Voilà, bon. C'est du Renault, ça se démonte bien. Donc est-ce que c'est mécanique ou électrique? Parce qu'en fait, tu as le petit moteur là qui fait tourner ça. Ouais, c'est le moteur qui a été cramé, tu vois. Non.
Voilà, et là, tac, là c'est verrouillé. Quand il a fait un tour, ça, en soi, je suis sûr que le moteur tu peux le changer, hein. Ça doit tourner comme ça en fait, tac. Tac, verrouillé, déverrouillé. Verrouillé. Ah ouais, tu vois. Il faudrait que je m'amuse. Alors je vais pas le faire ça maintenant parce que je t'avoue que j'ai autre chose à faire pour l'instant. Et puis après, hop, il y a une tempo d'autre sens. Paf. Et on verrouille. On déverrouille. Donc ce petit moteur là, on va essayer de le sortir avec la, avec une pince quand même. On va regarder. Hop. Parce que j'aurais de quoi le tester. Que franchement, le mécanisme n'a pas l'air d'être HS. C'est quand même du plastique. Bon, là ça bouge, mais tout est mis en force avec les petits clips. Là c'est usé, bah normal. Ouais, c'est ça, c'est verrouillé. Là, elle est déverrouillée. Donc, elle était bien bloquée, verrouillée. C'est pour ça qu'on est bavé et qu'il faut la mettre en mode service. Parce qu'autrement, tu peux pas. Je sais pas trop comment ça marche. C'est bizarre leur truc parce que. Même en mode service, c'est mort quoi. Bon, en tout cas, j'ai réussi à le sortir. Je sais pas si c'est grâce au mode service, mais en tout cas, il est sorti. Que au début j'arrive pas. Et là ça marche. Il n'y a plus de défaut, il n'y a plus rien. Donc tu vois en fait le moteur il tourne. Brrr. Tac là. C'est... Hop. Et après. Il revient en arrière, je pense. Je. Au pire, je ferai une petite vidéo comme ça. Là. J'essaierai de le. De tester. Je vais le remettre dedans pour pas le perdre. Et puis. Puis j'irai à l'occasion, à mon temps perdu, comme on dit. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste. Tac, sa poubelle. Juste le mettre comme ça pour l'instant. Puis on gardera autant perdu. Donc je vais remonter mes garnitures propres. Je vais fixer le. Bah le leurre. Ça s'appelle un leurre. Pour leurrer vraiment le boîtier. Donc ça marche super bien. Et puis voilà. Et je te dis à lundi. Enfin non. J'hésitais, mais je vais te le dire maintenant. Oui, enfin on est un certain jour de la semaine. Dans 2 jours, je vais faire le tournage de la vidéo dont je vous parlais. Surprise. Donc je devrais. Quand c'est que je vais la sortir d'ailleurs, tiens. Ouais, je vais vous la sortir mercredi de la semaine prochaine. Donc surveille ma chaîne. Et sinon, je te dis à lundi pour la vidéo du dimanche. Salut!